content accueillir vous dans premier sortie journal non pour semaine non, mais point n'a gagné pour développer pour vous dans couverture journal ça. Grosse situation tension lundi matin entre sud de capitale là particulièrement dans quartier Matissan côté laissé frapper entre bandamiyo yo t'a fait plusieurs blessés non mitan bandi yo. Ancien directeur général de la police nationale, là, Godson Aurelius, au quatrième jour dans la prison civile Saint-Marc, sous la juge d'instruction, Dionel Luméran pour trafic ZAM. Dirigeant mouvement paysan Papay MPP, Chavan Jean-Baptiste, dit d'accord pour le président de la République Lambay démission parce qu'il ne prend pas les sons 6, 7 juillet et 17 octobre passés. Des organisations politiques syndicales à Copilec continuent de déclarer qu'ils ne sont pas d'accord à la commission séant, d'après eux, si on manœuvre. Pour la population oublié dossier 3,8 milliards de dollars américains. Dans le pays étranger en Indonésie, 29 personnes mourir dans un accident d'un avion qui tombé dans la mer. Et l'autre bord de l'eau toujours, Brésil entré dans la période Jair Bolsonaro en côté 55% dans l'électeur choisi voter pour capable pas quitter le pays en ville communiste. Après, on été branché. En général, moun pa rèmè pran asyranse. Yo konsidere ke son l'ajan rejete. Et pourtant, l'ajan asyranse te dwe nan budget ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li dè ou travè son mouvè pa. Gade tout akote ou. Ou awè kouman gro problèm kon antre sou moun sans atann. Mande Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si yon pas de jambes connaît ou. Une assurance a pris ta veille ou pour le jour, continue vivre la vie ou, quitte ce course là, nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on était à suivre développement journal la fois qu'on est la police toujours pas capable mettre sécurité dans entre sud capitale là côté te gagné grosse situation tension lundi matin particulièrement dans quartier Matissan côté laissé frapper entre bandame yo t'a fait plusieurs blessés nan mitan bandi yo d'après première information yo c'est bandi dans village dédié qui sous contrôle gangster qui relé Arnel qui t'a attaqué base pilote dans 5e avenue ak nan fort mercredi ça te créé panique dans mitan population ou côté tout monde t'est obligé rentrer la caillou l'école ak business dans quartier Matissan t'a gagné gros problème pour fonctionner 29 octobre blanc la cause situation ça. Ancien directeur général de la police nationale, là, Godson Aurelius, au quatrième jour dans la prison civile Saint-Marc, sous l'ordre d'instruction Dionel Luméran pour trafic ZAM. Vendredi passé, la justice t'étendait ancien DG PNH là, côté magistrat, t'est tout fait arrêter. Une arrestation qui n'est pas facile parce qu'il y a une sécurité rapprochée, mais si Aurelius n'est pas d'accord. Avocat ancien DGA, condamné à titre d'instruction Luméran, côté le considéré client liant, pas doué à l'emprison dans quatre dossiers si là. Il y a plusieurs responsables dans la police, tant qu'inspecteur général Ralph Stanley Jean-Brice, qui a fait déplacement à l'oué ancien patron dans la prison Saint-Marc. Dirigeant mouvement paysan Papay MPP, Chavan Jean-Baptiste, dit d'accord pour président républicain à démissionner parce qu'il ne prend pas les sons 6 à 7 juillet et puis 7 octobre passé. Pour M. Jean-Baptiste, passer mes Jovenel Moïse fait entourage l'IA, c'est pour capable de faire moun dormi. Et puis c'est démagogie Jean-Ruy Seyan a fait, elle décide de mettre campé commission Petro-Caribéen, d'après l'idée MPP, Javan Jean-Baptiste, qui t'a invité Hélène Vernal dans le Pacifique matin de côté. Et président Jovenel, pas de comprendre ça passe 7 juillet, parce que s'il te comprend, c'est pas gouvernement ça le tape fait. Et je dis, il peut pas comprendre encore 17 octobre. Parce que 17 octobre, et pour moi-même, li marqué fin régime et tête caléa. Et jeudi, et 6-7 juillet, président Jovenel a gagné route pour le sortir. Mais peut-être qu'il y a un conseiller qui a gagné de route pour le sortir. Mais après, ça qui passe 17 octobre, là, on sait que qui a balancé dans la démagogie et pour les commissions. Et que qui sa commission va le faire. Journée jeudi, bagay qui clair et volet pas juger volet donc régime tête caléa pas pral juger propre tête pâle donc ça veut dire pas gain monde qui
qui ont une lumière qui prend l'entrée dans la démagogie, à l'entrée dans la commission pour PTG Moun avec poussière que le gouvernement voulait monter. Donc, je dis, il y a des moyens, il y a fait des bails cosmétiques et retirer des trois Moun. Mais Moun y a retiré, ou a obtenu un nommé, et dans l'autre bagaille, pas gagner que le régime ça pas changé. En l'autre côté, Chavanne Jean-Baptiste mandé pour mobilisation ou en rap poursuivre contre pouvoir en place là qui pas décidé changer situation générale la pays. Militant politique là parlé d'une conférence nationale qui pour faite pour capable joindre solution dans problème pays. En côté. Cette mobilisation qui pral continuer va le terrain pour pouvoir ça à l'école et permettre que toute force dans la vie nationale là tout secteur nous capables de chita pour garder qui ça nous va faire avec le pays ça et river mettre une transition et relativement longue 3 ans 30 à 36 mois et pour capable gagner une conférence nationale souveraine pour mettre bail nous voulons tout secteur chita pour nous dire qui ça nous va faire avec le pays ça vini avec et une nouvelle constitution et que son élection président Jovenel est à préparer pour faire la élection pas possible donc il pas gain monde qui pour accepter à quitter régime ça continuer. Diverses organisations politiques syndicales et populaires continuent déclarer pas d'accord à commission séant coordonnateur alternative socialiste ASSO Jean-Paul Bastien considérer décision ça tant qu'il y a une manœuvre pour faire en passer pour ne capable oublier dossier 3.8 milliards de dollars américains. En côté l'ami Konansi Constant avec David Mercius. D'abord, n'a dénoncé diversion pouvoir fait pour procès Pedro Caribe a pas abouti. D'abord, procédure qui gagne deux marches qui gagne pour que réellement gon vrai procès Pedro Caribe, c'est pas réellement là-dedans monsieur Jovenelier. D'abord pour non on procès gain forme ni. D'abord procès a li gagne deux parties. Il y a un parti demandeur, il y a un parti défendeur. Donc, nous demandons à Jovenel qui partie lui-même, puisque lui-même en tant que président, il est impliqué directement dans la question de Pedro Caribe. Parce qu'en janvier 2013, il était représenté comme Fener, comme compagnie, il a signé un accord avec BMPAD. En plus que ça, il a signé des accords encore dans Noir du Trans, dans toujours dans la résolution, dans le cadre pour ce Pedro Caribe. C'est-à-dire, M. Jovenel est réellement impliqué dans la question de Pedro Caribe, au couteau pas à gratter manche. Deuxième bagage nous c'est que nous dit encore si réellement t'a proposé faut que réellement soit c'est vrai que 64 plaintes qui déposées mais 64 plaintes ça va pas suffire pour que gon procès réel faut que l'état lui-même en tant que l'état en tant que parti demandeur lui constitue un dossier lui dépose pour que gon procès réel tout ça je vais la faire c'est diversion sous prétexte que le prêt faire procès Pedro Caribe réellement les reconnaît pas gon procès Pedro Caribe de l'autre côté organisation ça yo exiger démission mettre clamé Oknam Damius peut-être pas que Port-au-Prince là et d'après yo commissaire gouvernement empêcher la justice bien fonctionner dans la juridiction. Jean-Paul Bastien. Bon, dans l'institution ici, qui est là dans l'ULCC, qui est là David Basile en tête, qui est UCREF, qui est Joseph Oldi Belgrade en tête, qui est Paquet Port-au-Prince, nous connaissons réellement qui est le Paquet Port-au-Prince, qui a joué un véritable procès, parce que le commissaire gouvernement, c'est des forces nélations liées. Oknam qui était commissaire gouvernement, sous Matéli, qui tournait le commissaire gouvernement, encore sous Jovenel, il n'y a pas pour questionner quel était le M. Lamotte, quel était le M. Yves Germain, quel était le Rousseau Lalo, puisque il était quand prendre l'autre dans le meilleur éthique. Donc, si il y a pour réellement une véritable enquête, il faut quel était le UCREF. Nous connaissons réellement la réalité de l'UCREF. Nous connaissons pour qui ça. C'est Jodia et Joseph Oldi Belgrade qui est directeur de l'UCREF. Donc, quel était le ULCC? Quel était le paquet de Port-au-Prince? Quel était BMPAD? Quel était le coup supérieur des côtes? Qui a Awol Eli avec Noni Mathieu? Qui réellement impéglé en dehors de Pétro-Caribe? Moun sa ou pas éthique pour réellement gon procès. Faut moun sa ou pas dans cette décision, sa ou pas là. Et puis, il y a d'autres crédibles qui viennent là-dedans, monter dossier, mener enquête, gon conseil avocat qui là, qui réellement qui suivent toute procédure administrative. Yo, pour réellement il a déposé dossier pour réellement bon procès. Plus loin c'était ça yo mandé pour président Jovenel Moïse ta quitter pouvoir parce que d'après lui chef l'état pas capable joindre solution dans problème paysan. Organisation ça yo présenté vendredi un document 12 pages pour capable mettre campé un gouvernement transition dans l'idée pour remplacer Jovenel Moïse côté Josué Mérilien. Texte ça et pas texte combite là. Son texte que combite là proposé et texte ça déjà en circulation, li en débat fait sur li dans université a, avec sur dans lycée yo, dans l'école yo, dans quartier yo, dans département yo pour prendre d'adi critique, commentaire, suggestion pour nous gagner au texte définitif que table de concertation a bien présenté. Mais pour l'instant, ça nous a dit que nous gagnons
c'est-à-dire un débat, texte là, qui titré Haïti, programme de l'équipe de la transition de la rupture pour Nouvelle Haïti et pour via le pouvoir populaire. Elle nous dit, faut jouer l'aller. Elle nous dit que ça là, nous allons avec elle. Maintenant, nous voulons avec qui sont d'accord, mais ça lié école pour fête. Au final, texte a proposé pour que gagne le conseil exécutif de transition. De trois membres, il y a un membre qui sortit de la Cour de cassation, deux membres qui sortit parmi l'organisation politique, sociale, économique, sociale, populaire, qui en lutte là, Cap Goumé là, je mettons. Nous ne pouvons pas pouvoir vous laguer dans la Cour de cassation, comme ça. Donc, nous-mêmes, Cap Goumé, donc, faut en dedans, c'est pour ça, nous l'avons représenté pour nous clair, qui garantit que ça nous dit le texte là, l'autre pays nous voulait, équipe ça, après aller vers ça vraiment. Comme papier parlement, nous demandons que le conseil consultatif et de contrôle composé de représentants secteur populaire dans tout département qui sont là pour jouer le rôle de contrôle là pendant et temps de transition. Nous demandons de continuer à être branché dans le pour vous, nouvelle autre bord de l'eau dans un petit moment. Dans le pays Indonésie, mesdames et messieurs, 189 personnes mourir dans un accident avion qui tombé dans l'an mai. C'est dans l'an mai tout, Présilé Jiva, il y a joué un corps victime avec débris avion qui c'est un Boeing 737 compagnie Lion Air qui a transporté 189 passagers. Vol ça était censé relier Jakarta avec ville Pangkapinyang. Avion crasé, il était fin décollé bien bonnet matin. Pilote l'a demandé pour le retourner, c'est seulement quelques mois avion ça t'a gagné depuis t'a servi, mais il t'a connu bail problème déjà d'après PDG Lion Air là. L'autre toujours, Brésil entré dans la période de Jair Bolsonaro, côté 55% dans l'électeur, choisi voter pour capable pas quitter le pays à vin communiste. Parti extrême droite là prend pouvoir et majorité moun ki t'a voté yo di yo content parti travailleur a perdu malgré nan discours Bolsonaro te paraît pi conciliant côté le palais d'égalité ak diversité et puis mettez sous côté déclaration raciste li yo. Électeur Jair Bolsonaro yo di yo fatigué ak violence criminelle lan ça fait corruption politicien yo après Michel Temer surtout Dilma Rousseff Lula scandale Petrobras lan brésilien yo mettez sous côté parti travailleur yo qui passait plus passé 10 ans sous pouvoir. Actuellement, Fernando Haddad a campé le partisan paix pour avenir. C'est là que nous finissons pour aujourd'hui. Madame Messine, t'es content d'informer aux télévisions pacifiques. Restez branchés et bonne semaine.